Juste avant de commencer la vidéo, je fais une petite pub pour mon GFX que vous voyez juste là. Donc voilà, c'est sa chaîne, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà mon GFX qui fait de très très belles miniatures sur ma chaîne. Ça fait quand même pas mal de temps, je crois qu'il a pas sorti de vidéo aussi. Voilà, il y a un mois qu'il a pas sorti de vidéo. Il fait une petite pause, c'est pour les examens, etc. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Donc voilà, ça le fera super plaisir. En tout cas, merci à tous et on commence la vidéo. Go! D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lune 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma tablette Android. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo pour savoir quand va sortir le nouveau jeu sur Android. Parce que c'est vrai qu'il est sorti sur iOS. En tout cas, on peut l'installer facilement en ayant un compte canadien. Par contre, sur Android, il n'y est pas encore. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour, dès qu'il va sortir, l'installer le plus rapidement possible. Enfin, je parle d'astuces, mais d'astuces, en gros, le jeu ne sera pas sorti officiellement, mais vous allez pouvoir l'installer quand même, plutôt que les autres. Et donc, je vais vous montrer cette astuce maintenant. Alors, déjà, il faut savoir que normalement, le jeu devrait sortir, ben, déjà d'abord sur iOS officiellement, et après sur Android, mais... Comme sur Clash Royale, on devrait trouver des APK assez tôt, donc je pense dans une ou deux semaines, il y a quelqu'un qui va essayer de trafiquer un petit peu l'application iOS et de nous sortir un APK sur Android. Alors pour simplement être sûr de ce qu'on installe, parce qu'il y a beaucoup d'applications, de sites qui font croire que le jeu est là, sauf qu'il n'est pas là, en fait c'est un virus. Alors pour être sûr à 200%, j'ai une technique. Donc là vous êtes sur votre smartphone, une tablette, etc. Vous allez sur Google. Vous allez taper Aptoid. Aptoid, donc c'est une application en fait, si vous voulez, où vous pouvez télécharger ben, plein d'APK. Les APK en fait, c'est quoi? Les APK en fait, c'est des applications qu'on peut pas forcément installer sur le Play Store et qu'on pourrait installer sur ben, grâce à un APK, tout simplement. Donc là, vous téléchargez donc c'est Aptoid. Vous mettez sur Google Aptoid. Vous allez cliquer sur le premier lien. Voilà, attendez, c'est pas là. C'est là, premier lien, vous allez l'installer. Donc en fait, c'est une application, et dessus vous allez pouvoir chercher des jeux. Donc là, imaginons, on va chercher le jeu. Donc le jeu, c'est Brawler. Donc normalement, il n'y est pas, parce que normalement, à moins que ce soit un, je sais pas. Normalement, il n'y est pas. Donc là, vous allez faire rechercher, normalement, il n'y est pas. Mais dès qu'il va sortir un APK, vous pourrez l'installer ici. Enfin, plutôt, d'abord, installer l'application, comme je vous ai dit. Ensuite, cliquez ici. Pour l'installer, vous allez cliquer ici donc pour l'installer, si ça veut bien, voilà, installer l'application. Donc en fait voilà, c'est une application qui permet, si vous voulez, de référencer tous les APK. Et donc dès que le jeu va sortir sur Android en APK, pas officiellement mais en APK, vous pourrez l'installer. Donc je pense dans 2-3 semaines maximum, le jeu devrait être sur Android. De toute façon, je vous ferai une vidéo hein, dès que le jeu va sortir, évidemment. Mais c'est vraiment pour ceux qui sont très pressés. Donc là, pour ceux qui sont très pressés, je vous donne cette astuce. Comme ça, dès que vous voyez que l'APK va sortir sur Android ou que vous voyez que vous entendez des rumeurs, etc., vous pourrez directement l'installer sans passer par ma vidéo. Et de toute façon, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment bien l'installer sans virus, etc. Donc là, une fois que c'est installé, vous allez l'ouvrir, l'application. Mais ça, il faut le faire dès que l'APK est sorti. Ça sera pas grand chose de le faire avant. Donc là, hop, là, vous passez. Et donc là, vous cherchez le jeu. Donc là, on va mettre le jeu Brawler Star. Voilà. Bon, il y est pas, normal, hein, il y est pas. Il n'est pas encore sorti en APK. Mais par exemple, l'an dernier, pour télécharger Clash Royale sur mon Android, j'avais fait ça. Je l'avais donc installé sur ma tablette Android, comme ceci. Et donc, j'avais trouvé Clash Royale. Donc là, ils disent mettre à jour, parce que j'ai pas mis à jour. Mais sinon, ils auraient mis installer. Donc, vous aurez pu l'installer comme ça. Donc voilà, ça c'est la petite astuce. Si le jeu sort sur Android très bientôt, vous avez cette astuce là. Comme ça, vous serez pas obligé d'attendre ma vidéo. Parce que ma vidéo, peut-être elle va arriver un ou deux jours après l'APK, dès qu'il est sorti. Mais donc là, grâce à cette vidéo, vous pourrez donc directement aller sur Aptoid, marquer le nom du jeu, donc Brawler Star, et normalement ça devrait être là. Si c'est pas là, bah, c'est-à-dire que ça marche pas, enfin qu'il n'y a pas encore l'APK. Mais j'ai mal écrit d'ailleurs. Mais sinon, dès que l'APK est sorti, vous devrez le voir sur l'application. Après, je pense que vous pouvez chercher également sur Google. Avant d'installer l'application Aptoid, vous allez chercher sur Google directement. Regardez, vous allez ici, donc sur Google. Donc attendez, je tape Aptoid.
Aptoid, voilà. Donc là vous êtes sur le premier lien comme je vous ai dit. Et donc là vous allez chercher directement sur votre PC ou sur votre tablette, vous faites ça, ou sur votre smartphone. Comme ça vous cherchez le jeu, et comme ça vous êtes sûr s'il y est ou pas, parce que sinon vous installez Aptoid un petit peu pour rien. Donc voilà, faut être sûr. Mais donc voilà, vraiment une petite astuce pour ça, pour installer le jeu le plus rapidement possible dès qu'il sort sur Android. Mais comme je vous ai dit, au pire des cas, je ferai une vidéo si vous comprenez pas trop comment l'installer, etc. Donc voilà, pour l'instant il n'est pas encore en ligne, mais je pense qu'il devrait arriver très bientôt. Vu l'ampleur du jeu, je pense que dans à peu près, allez on va dire une semaine, il devrait être là, il devrait être présent sur Android en APK. Mais après officiellement, je pense qu'il va quand même sortir assez tard, je pense plutôt fin de l'été, fin août. Et pour iOS, ben je pense plutôt début juillet, mi-juillet, mais par contre, sur Android, ça sera plus fin août, je pense. Parce que c'est assez long sur Android, et sur iOS, ça prend un petit peu de temps aussi, mais moins que sur Android. Donc voilà, ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt, et ciao.